daman anestali in classe mera in naurabanao. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu une femme, c'est une jeune femme, on vous appelle Belle. Belle, Belle. Bella, Belle. Bella, Belle. Mais ce n'est pas votre nom, on vous appelle Belle. Belle, vous êtes en train de me suivre maintenant. Vous êtes en train de prier Dieu parce que votre vie, tout ce que vous faites, ne marche pas. Et en plus, vous pleurez pour votre vie sentimentale à cause de déceptions, de déchirures. Vous êtes en train de sortir d'une déchirure terrible qui a fait vibrer votre être tout entier. Le Seigneur veut vous restaurer. Dieu veut vous visiter maintenant. Le Seigneur veut vous visiter. Je prie pour la restauration de votre vie sentimentale. Si vous voulez, vous m'appelez en direct. Et je continue la prophétie en direct. Et la main de Dieu est sur vous. Ce matin, c'est une matinée de restauration. Dieu. Il y a un monsieur qui est en train de me suivre. Votre nom c'est Tewa. On s'appelle comme Tewa. Tewa, Tewa. Je veux prier pour vous, pour votre restauration, pour une visitation divine dans votre vie. Vous êtes en train de prier pour votre carrière. Parce qu'actuellement, vous traversez des périodes difficiles sur le plan professionnel. Il y a des difficultés, ça ne va pas. Et vous êtes en train de crier vers le Dieu des cieux pour que le Seigneur vous délivre. Monsieur Tewa, Tewa. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Écoutez, pendant que je prie, le Seigneur ouvre les portes devant vous et il multiplie vos opportunités ce matin. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Mena itao zurami inna adros mintao dagum more vistania wa inna alotei. Est-ce que les numéros là sont affichés? C'est affiché? Regardez. Je vais prendre la perche, je vais suivre ceci. Allô? Oui? Oui, on vous appelle comment? Belle, Belle, papa a parlé de Belle, mais je m'appelle Belle. Oui. Il a bien dit que ce n'est pas le nom, que c'est Belle, Belle, Belle. Et que ma vie ne donne pas mes choses, ne donne pas même sur la vie sentimentale, tout, rien ne donne. D'accord, est-ce que la prophétie, elle est exacte? Exact. D'accord, maintenant écoutez. Oui. Écoutez la parole éternelle. Dans les 30 jours qui sont en train de venir, Dieu va opérer un miracle dans votre vie, ok? Ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, prenez un temps de jeûne, c'est 3 jours. Et les 30 prochains jours, comptez 30 jours. Si Dieu n'opère pas un miracle dans votre vie, c'est que Dieu m'a appelé. Et je vous dis quelque chose. Dieu, sur le plan sentimental, est sur le point de vous restaurer. Est-ce que vous suivez? Je vous suis papa, je vous suis mon père. Oui, dans les 30 prochains jours, Dieu va vous visiter et Dieu va restaurer votre vie sentimentale. Est-ce que vous êtes dans une relation sentimentale avec quelqu'un actuellement? Oui, papa, ça ne donne pas tous les problèmes de vos chagrins. Est-ce que vous êtes marié? Allô? Oui, papa, je vous écoute. Est-ce que vous êtes marié? Non, papa, je ne suis pas marié. D'accord. Je depuis ça fait 10 ans. Je suis là, je vis seul avec mes enfants. Rien ne donne dans ma vie, dans la vie de mes enfants, papa. D'accord, écoutez, Dieu va vous visiter, ok? Mais papa. Écrivez Clément. J'ai vu quelqu'un qu'on appelle Clément. 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 Oui, papa. Notez Clément. Et ce Clément, c'est quelqu'un qui vous a apporté quand vous étiez encore plus jeune. Vous suivez? Clément, quand vous êtes en train de parler comme ça, papa, c'est l'enfant que ma mère avait nourri. L'enfant de la copine de ma mère. Oui. Oui, papa. Et ce que vous savez où il est? Il est au village, papa. Hein? Il est chez vous, au village. Il est où? Au village, à Bafa. Écoutez, le Dieu des cieux est sur le point de vouloir vous surprendre. Il y a un coup de fil que vous allez recevoir. Et ce coup de fil changera votre vie à jamais. Amen, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen.